décidément. Et là, je me... Ne fais pas attention à sa fille. T'en fais gaffe. N'oublie pas. La grande guerre. Moi, je me rappelle. Je vais servir moi. Je t'ai bloqué l'arrière-train. Petit con. De déménager chez eux, y'a que gangster par un mot, et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui mes petits démons, on se retrouve bien évidemment pour la deuxième et dernière partie du spécial Noël, que je pense vous attendiez plutôt beaucoup, ouais, plutôt, ouais. Et donc, après avoir réalisé la première partie sur ce très cher Krampus, j'ai décidé aujourd'hui de vous parler, non pas d'une légende urbaine, ou d'un thème d'horreur en lien à Noël, mais de deux films dans lesquels il y a des monstres assez grincheux, si je puis dire, qui n'aiment pas Noël. Et oui. Et vous, vous avez constaté que maintenant, j'ai un nouveau bonnet de Noël. Et oui. Vu que notre très cher Père Noël a été content de mon travail, ben, il m'en a offert un pour Noël. À vrai dire, c'est un beau cadeau. Et je suis le seul. Mais parce que j'ai jamais de cadeau. Voilà. Voilà, voilà. Sans plus tarder, mes petits démons, on se retrouve pour un nouvel épisode du cinématographe des cryptides consacré, dans un premier temps, à The Grinch et aux Gremlins. Générique. Alors, How the Grinch Stole Christmas, ou Comment le Grinch a volé Noël, ou tout simplement Le Grinch, est un film de comédie fantastique de Noël, évidemment, américain, sorti en 2000 et réalisé par Ron Ward. Et non, je ne vais pas vous dire qui est Ron Ward, sinon ça va partir long, j'ai dit non, je vais pas aller dans ce terrain-là, ça va être long, la vidéo va durer des heures, non. Apollo 13... Da Vinci Code, Ange et Démon et Enfer, ainsi que notre film du jour, et Solo, une histoire de Star Wars qui retrace un peu la jeunesse de notre très cher contrebandier préféré, Han Solo. Voilà. Bon, on revient au film. Le film est basé sur un livre pour enfants qui a été écrit par Dr. Seuss en 1957. Et notre film du jour est narré par rien d'autre que notre très cher, le grand Anthony Hopkins. Oui, mes petits démons, Hannibal Lecter, lui-même. Mais aussi Corky dans Matrix. Parce que ce film-là, on le cite jamais beaucoup. Non. Ou alors le médecin dans Elephant Man. Et oui, avec John Hurt. Mais bon, là, c'est pas le but. Tiens, ma cravate. Et le film met bien évidemment en vedette le grand Jim Carrey dans le rôle titre, avec Jeffrey Tambor, Christine Baranski, Bill Irwin et Molly Shannon. Donc sans plus tarder, nous allons voir de quoi parle le Grinch. Et oui, c'est pour ça que vous êtes venus, je pense. Allez, on y va. Tous les choux de Chouville aiment vraiment Noël. Cependant, les choux, eux, n'aiment pas le Grinch, qui est une créature verte, poilue, misanthrope, qui vit dans une grotte à proximité du mont Crumpit, au nord de Chouville. En raison de sa mesquinerie, en particulier pendant les saisons des fêtes, Cindy Lou Chou, alors âgée de 6 ans, pense que tout le monde se concentre davantage sur les cadeaux et les festivités que sur les relations personnelles. Et je suis d'accord. Oui, parce que Noël, je suis désolé, mais c'est une ode à la consommation de produits, et on oublie toute la saveur de Noël, que le but, c'est d'être réunis en famille. Voilà. Pardon. J'en étais où, moi? Ah oui, c'est alors que Cindy Lou Chou rencontre un jour le Grinch au bureau de poste, alors qu'il joue avec le courrier en changeant tout et en jetant les avis de devoirs de jury désagréables dans les boîtes aux lettres
aléatoire. C'est un petit filou, ce Grinch. C'est un petit filou, mais on aime bien. C'est alors que le Grinch sauve Cindy après s'être retrouvé coincé dans la cage à courrier. Cindy commence à faire des recherches sur le Grinch et découvre plus tard son passé. Il nous apprend que le Grinch, comme tous les choux, sont un jour arrivés dans un petit panier, voilà, quand ils étaient bébés, et ils se déposent devant les portes de maison pour être adoptés par les choux. Ce qu'on en conclut que une femme chou et un homme chou ne peuvent pas avoir de petits. Ce qui est triste. Voilà, c'est triste. Et notre Grinch a été adopté par deux femmes. Deux sœurs, pour être plus précis. Et à l'école, le Grinch, alors timide, il est attiré par Martha May Chouvière, qui était une fille de sa classe qui partageait les mêmes sentiments. Son camarade de classe, Augustus Méchou, cependant, a commencé à intimider le Grinch, car il était jaloux que Martha ait préféré notre très cher monstre poilu à lui. Je pense qu'en même temps, c'est peut-être, je sais pas, l'un est timide mais gentil mais poilu, l'autre est désagréable et un petit peu en surpoids. Je sais pas. Après, je sais pas, hein, l'autre côté. Moi, je sais rien. Ce Noël-là, notre Grinch a fait un ange comme cadeau pour Martha, mais s'est accidentellement coupé le visage en essayant de se raser à cause de Méchou, affirmant que celui-ci avait une barbe. Voilà, on en arrive à la génération, c'est grave. Et lorsque Méchou et les autres camarades de classe et leurs professeurs voient le visage B de notre Grinch, à l'exception de Martha, ils se mettent tous à se moquer de lui, pauvre Grinch. Dû à ces moqueries, le Grinch a perdu son sang-froid et a déclaré sa haine pour Noël, et a fui Chouville pour rejoindre le mont Crumpit où il habite depuis. C'est alors que Cindy nomme le Grinch comme étant le Holiday Cheermeister, ce qui est une sorte de tradition de Noël chez les choux. Ce qui a scandalisé Augustus Méchou, qui était maintenant le maire de Chouville. Comme par hasard. Franchement, je m'en doutais. C'est alors que Cindy grimpe au mont Crumpit pour inviter le Grinch à la célébration. Et il accepte finalement, car il a réalisé qu'il y aurait potentiellement sa très chère dulcinée, Martha May Chouvière. Ça a bien changé depuis. Putain. Ouais. Qui est maintenant en plus la voisine des loups choux. Donc la voisine de Cindy et de ses parents. Et de ses grands frères. Mais en tant que cheermeister, le Grinch participe à plusieurs événements. Il commence à s'amuser jusqu'à ce que Méchou lui présente un rasoir électrique, lui rappelant l'humiliation de son enfance. Méchou propose alors publiquement à Martha, lui donnant une bague de fiançailles et une nouvelle voiture. Enragé, le Grinch réprimande le matérialisme des choux, se moquant de leur croyance que Noël n'est qu'une question de cadeaux, et qui seront finalement jetés. Il rase la tête de Méchou, brûle l'arbre de Noël avec un lance-flamme de fortune. Dégoûté par le Noël des choux, le Grinch jure d'écraser leur esprit en volant tous leurs cadeaux, décorations et nourriture pendant leur sommeil. Il se déguise alors en Père Noël et son chien de compagnie Max en reine. Le Grinch et Max descendent à Chouville sur un traîneau de haute technologie. Et la première maison dans laquelle ils entrent est celle de Cindy. Et lorsqu'elle le surprend en train de voler leurs arbres, il lui ment pour faciliter sa fuite. Et le Grinch continue de voler tous les cadeaux, décorations et nourriture, et de les fourrer dans un grand sac. Avant de remonter au sommet du mont Crumpit pour tout détruire, en poussant le sac sur le côté d'une falaise, au réveil, le matin de Noël, les choux découvrent horriblement le vol de tous les décorations et cadeaux de Noël. Méchou reproche à Cindy d'avoir permis au Grinch de ruiner l'esprit de la ville. Et cependant, son père joyeux, le maître de poste de la ville, Loulou Chou, la défend en informant Méchou et les autres que Cindy a essayé de leur dire que Noël implique principalement du temps avec sa famille et ses amis, et pas seulement avec des cadeaux et décorations fantaisistes. Je suis totalement d'accord avec ce chou. Et les choux
sont d'accord avec Lou et commencent à chanter le chant de Noël de Chouville. Avant que le Grinch ne puisse pousser le sac au sommet du mont Crumpit, il entend les choux chanter et se rend compte qu'il n'a pas réussi à empêcher Noël, mais découvre ensuite le vrai sens de Noël, faisant grossir son cœur de 3 tailles et s'effondre en larmes. Le traîneau rempli de cadeaux commence alors à glisser sur le bord de la falaise en compagnie de Cindy, venue passer Noël avec le Grinch. C'est alors que celui-ci a la force de soulever le traîneau chargé et de transporter Cindy en lieu sûr. Et ils descendent finalement de la montagne pour tout rendre, et le Grinch s'excuse pour ses farces et le cambriolage avant de se rendre à la police, qui accepte ses excuses et rejette la demande d'arrestation et de gaz poivré de Michou. Franchement, ces policiers-là, c'est des bons. C'est pas comme aujourd'hui. Non. Il y en a qui sont bons, mais plus autant. Hein? Et après avoir vu la nature cruelle de Michou, Martha rejette sa proposition de l'épouser et lui rend sa bague de fiançailles, déclarant qu'elle aime le Grinch. Et ensuite, le Grinch, maintenant tout joyeux, se joint à la fête de célébration des choux et coupe lui-même le rôti dans sa grotte. Si c'est pas une belle fin, ça. Ça, c'est beau. Ça me fait penser au film Les Muppets à Noël. C'est, ouais, c'est tout aussi génial. Et voilà, mes petits démons, c'est que le synopsis et l'histoire du film. Bon, je pense que d'une grande majorité, vous connaissez toutes et tous le film Grinch. Et si vous ne le connaissez pas, ben, foncez le voir. Franchement, il vaut le coup. Déjà, l'interprétation de Jim Carrey dans le rôle de notre créature à fourrure verte au mauvais caractère est juste incroyable. Et ça, personne ne pourra dire le contraire. De toute façon, c'est Jim Carrey. Jim Carrey, c'est le meilleur. Et je dis, c'est le meilleur. J'avais quoi d'autre à dire, moi? Je sais plus. Putain, je suis un crétin. J'oublie mon texte. T'es un crétin. Le texte qui me parle, il en a 3 ans d'âge mental. On va parler encore comme un perroquet, un crétin. Très bien. Donc, qu'est-ce que j'ai d'autre à vous dire, ma petite démon, sur ce film? Ben déjà, je ne vais pas préciser trop les points négatifs et positifs. Et ce que je peux vous dire, c'est que le film Grinch a eu, le jour de sa sortie, pas mal, malheureusement, de critiques, car ça ne faisait pas assez film, on va dire, familial. Voilà. Le ton était un peu plus sombre que dans le livre et dans le dessin animé. Car oui, il y a eu un dessin animé bien avant le film de 2019, je ne sais plus en quelle année il est sorti. Et donc voilà, ça a été une des majeures critiques négatives sur le film. Mais franchement, on oublie ce qui est positif ou négatif. Allez voir ce film, il est génial. Voilà. Et je pense que j'ai rien d'autre à dire. Ah, je pense, hein. Je sais plus. Non, c'est bon. Sans plus tarder, multidémon. Maintenant, on passe à Gremlins. Ben oui, je sais, mais bon. Par vote, hein. Bon. Je voulais dire à tes petits potes, là. C'est le bordel, ben oui. Ils ont mangé après minuit. Et ben voilà. Ah. Je te comprends, Gizmo. Je te comprends. Oh, on va dire. Oui. Ah. Et oui, il y a Gizmo avec moi. C'est coucou. Ouais, bon, il a pas envie. Et il y a eu un souci avec ses congénères avec Kyle. Et comme d'habitude, hein. Tu restes là. Tu restes là. Tu bouges pas. Tu bouges pas. J'ai dit. Alors, Gremlins est un film d'horreur de comédie noire
américain, sorti en 1984 et réalisé par Joe Dante. Et Joe Dante, c'est Hollywood Boulevard, Piranha, The Howling, hurlement avec des loups-garous, Twilight Zone, The Movie, justement It's a Good Life, Gremlins, bien évidemment, Explorers, ainsi que Gremlins 2, The New Batch, donc une nouvelle ère, si je traduis bien, de tête, parce que je n'ai pas noté le texte, eh oui, ainsi que Small Soldiers, mais voilà. Voilà, voilà. Et mettant en vedette Zach Gilligan, Phoebe Cates, Hoyt Axton, Polly Holiday et Francis Lee McCain, ainsi que Dick Miller. Parce que lui, il faut le citer quand même. C'est un des acteurs fétiches de Joe Dante. Et Holly Mandel, qui fait la voix de notre très cher petit Gizmo. Et notre personnage, mon dieu, c'est Bonnie. Bon. Et notre petit animal à fourrure ne prend pas mal, Gizmo. Ne prend pas mal, Gizmo, s'il te plaît. C'est un animal, mais tu restes un être vivant. Et donc, notre Mogwai s'inspire des légendes de créatures expiègles folkloriques qui causeraient des dysfonctionnements dans la Royal Air Force britannique qui remonte à la Seconde Guerre mondiale, dont l'histoire dit que ce seraient des petites créatures à fourrure et à écailles qui s'amuseraient à détruire et à dysfonctionner, bien évidemment, les avions de l'armée britannique. C'est des petits films, ouais, des petits films, des petits coquins. Qu'est-ce que je peux aussi dire, c'est que, avant que je parle de l'histoire, c'est que le film a fait l'objet de grandes campagnes de merchandising, avec plein de jouets, de peluches, surtout, hein, des jouets, des jeux, et plein de choses, ah oui, oui, oui. Non, on va parler de l'histoire, hein, on va pas chipoter, d'accord? Ok, hop, j'y retourne, comme ça. Donc notre histoire commence lorsque l'inventeur en difficulté, Randall Peltzer, visite un magasin d'antiquités de Chinatown, dans l'espoir de trouver un cadeau de Noël pour son fils Billy. Et à l'intérieur, Randall rencontre une petite créature en fourrure appelée Mogwai, qui, en cantonais, signifie diable. Un diable Gizmo ? Purée, il y en a plein de diables. Moi qui croyais qu'il y avait que moi, Satan, Azazel, Belzébuth et tous les autres. Et un peu les yokai. Mais il y a aussi vous, purée. Il y en a beaucoup de diables en fait. Purée. Oui, je disais donc. Et le propriétaire, Monsieur Wing, refuse de vendre le Mogwai à Randall. Mais son petit-fils le fait secrètement, avertissant Randall de se souvenir de trois règles importantes. Vous aussi, mes petits démons, retenez-le si vous avez un petit Mogwai comme moi. Règle numéro 1, ne pas exposer votre Mogwai à la lumière du jour. Ça le tuerait. De ne pas le laisser entrer en contact avec l'eau, car il pourrait y avoir des conséquences terribles, comme vous verrez plus tard. Et de ne jamais le nourrir après minuit, car les conséquences pourraient être tout aussi terribles. C'est alors que Randall rentre chez lui à Kingstall Falls, où il donne le Mogwai à Billy. Comme animal de compagnie, Billy travaille dans la banque locale, mais craint que son chien Barney ne soit abattu par l'avare veuve Madame Deagle. Quelle horrible femme. Bon, je n'aime pas. Randall nomme alors le petit Mogwai Gizmo, qui a l'air de bien apprécier son prénom. Et Randall explique à Billy les trois règles, mais lorsque notre jeune Billy, accompagné de son ami Pete, renverse accidentellement de l'eau sur Gizmo, cinq autres Mogwai apparaissent dans son dos. Ce qui signifie que Gizmo vient d'avoir des bébés par le dos, qui est assez bizarre. Pas plus bizarre que moi, qui parfois, comme vous avez constaté dans un de mes premiers épisodes du cinématographe, j'arrive à sortir des petits cocons de la bouche, où je fais des clones de moi. Dans un sens, c'est un peu les bébés. C'est dégueulasse. Bon, je préfère la vieille méthode. La vieille méthode, je pense que j'ai pas besoin de vous l'expliquer. Hein ? Ben oui. Et un des Gremlins les plus agressifs, si on peut dire, se nomme Stripe. Nom donné à cause de la touffe de fourrure blanche qu'il a sur sa tête.
et qui semble pas aussi sympathique que notre très cher Gizmo. Alors que Billy montre l'un des Mogwai à son ancien professeur de sciences à l'école primaire, Monsieur Hanson, en engendrant un autre Mogwai, car il a fait aussi l'expérience de mettre de l'eau sur ce Mogwai, sur lequel Hanson expérimente beaucoup de choses. Ouais. Et de retour à la maison, Stripe et ses compagnons incitent Billy à les nourrir après minuit en coupant le cordon d'alimentation de son réveil. Ce qui fait que, à la base, Billy pensait qu'il n'était même pas encore minuit, alors que si, il était minuit passé. Parce qu'ils ont coupé à temps le fil du réveil. Ils sont malins, ces petits Mogwai. Enfin, Mogwai pour le moment. Pour le moment. Ce qui engendre, après cela, qu'au réveil, Billy constate que les Mogwai et Stripe sont devenus des cocons. Tout comme le Mogwai de Hanson, qui éclose bientôt, émergeant alors des créatures reptiliennes expiègles. Vert foncé, qui torture ensuite Gizmo et attaque la mère de Billy, Lynn, et tue le professeur Hanson. C'est alors que Lynn et Billy sont capables de tuer les Gremlins, à l'exception de Stripe, qui s'échappe dans un local. C'est alors que là, Stripe saute dans la piscine et engendre une armée de Gremlins qui font des ravages à Kingstall Falls. De nombreuses personnes sont blessées ou littéralement tuées. Et oui, c'est pas aussi joyeux que le Grinch, y compris notre très chère Madame Deagle. Et oui, parce que cette vieille peau est morte. Merci les Gremlins. Ah, pour le coup, ils ont bien fait. Je suis désolé, ils ont bien fait. Ah, ça faisait du bien quand même, parce que elle, hein, pouf, je pouvais pas l'avoir. En plus, elle voulait faire la peau au chien de Billy, Barney, qui est tout mignon. On est haut. Tu n'auras pas dans ta tête. On touche pas aux animaux. On ne touche pas. Numéro, révolution. Dans la tête, excusez-moi, le petit. J'étais haut. C'est alors que Billy signale à la police tout ce qui s'est passé. Mais il s'avère inutile car il ne croit pas à son histoire. Bien évidemment, c'est bien connu ça. On appelle ça le syndrome de Scully. Je pense que je n'ai pas besoin de vous l'expliquer, sinon la vidéo va être hyper longue. Et voilà. Pour ceux qui connaissent X-Files, vous saurez de quoi je parle. Et même, ils ne croient toujours pas son histoire, même alors qu'ils ont vu Gizmo. Je pense qu'ils sont un petit peu cons, surtout, ces policiers. Bon, comme 90% des films américains, où les policiers sont complètement cons. Ouais. Alors que Billy sauve sa petite amie, Kate, il se cache dans la banque, désormais abandonnée, où Kate révèle à Billy et Gizmo pourquoi elle déteste Noël. Car quand elle avait 9 ans, son père a disparu la veille de Noël. Elle n'était pas rentrée pour le jour de Noël. Quelques jours plus tard, ils ont malheureusement retrouvé son père mort, coincé dans leur cheminée alors que celui-ci essayait de rentrer la cheminée comme un Père Noël, en se déguisant comme le Père Noël, pour faire une surprise à la mère de Kate et elle-même. Cependant, son père s'est brisé le cou en tentant de descendre. C'est depuis ce jour-là que Kate n'a plus cru en l'esprit et la magie de Noël. Je vous l'avoue, c'est là tout vraiment à la fois glauque qui est triste du film. Ça, y compris tous les morts dans le film. Mais bon, les morts, on les voit pas vraiment. Mais bon, on va pas se mentir, on s'en fiche un peu. Ouais, ouais. C'est alors que Billy et Kate découvrent que la ville s'est tue et que les Gremlins regardent Blanche-Neige et les Sept Nains dans le théâtre local. Ah, ils ont un bon goût. La Blanche-Neige, ouais, bon goût. Ouais, ouais. C'est alors que Billy et Kate déclenchent une explosion de gaz naturel et incinèrent tous les Gremlins, à l'exception de Stripe, qui est parti réquisitionner plus de bonbons dans un magasin de l'autre côté de la rue. À l'approche du matin, ils suivent alors Stripe dans le grand magasin où Stripe tente d'utiliser une fontaine à eau pour engendrer plus de Gremlins. C'est alors que Gizmo vient à la rescousse. Oui, oui, littéralement. Gizmo, il a... Ah oui, il est devenu courageux là d'un coup. Non, Gizmo, il est courageux. Non, oui, il est courageux. C'est alors que Gizmo ouvre une lucarne qui est une fenêtre et expose Stripe au soleil et le tue. Alors que les nouvelles locales rapportent des mystérieuses tragédies de la journée, Monsieur Wink récupère Gizmo chez les Peltzers
les critiquent à la fois les penseurs et la société occidentale pour leurs insouciances envers la nature. Cependant, alors qu'ils se tournent pour partir, Gizmo, après s'être eu d'affection avec Billy, dit au revoir au jeune homme. Et Monsieur Wink, touché, concède alors que Billy sera peut-être pris un jour, et jusque-là, Gizmo l'attendra. Et voilà, mon petit mot, c'était le synopsis du film. Franchement, Gizmo, viens là, Gizmo, viens là. Gizmo, t'es courageux. T'es courageux, mais oui, t'es courageux. Et t'as quand même eu Stripe. Et je t'en parle même pas dans le second film. Là, tu deviens un Rambo, là, d'un coup. Bon, ça, c'est pour le prochain épisode. Et oui. Qu'est-ce que je peux aussi vous dire sur ce film? Bah, les points positifs, c'est que... Gremlins, c'est super bien fait. Gizmo est super bien fait, les Gremlins sont très bien faits, tout est génial dans ce film, l'ambiance et tout, c'est génial. Je vais pas m'attarder trop sur les points positifs et négatifs, c'est le spécial Noël, faut se détendre, j'ai dit il faut se détendre. Voilà. Voilà les points négatifs que je peux dire avant de jouer cela. C'est que Gremlins a été énormément critiqué par le fait que c'est assez violent. Dans le sens où il y a des morts et tout. Mais bon... franchement... Oui, il y a des morts. Mais bon, la mort la plus violente, c'est voir Madame Diggle sauter par la fenêtre. Enfin, sauter, pas volontairement. Et voilà. Il y a pire comme violence. Hein? Ah oui, il y a pire. Ah. Sur ce, mes petits démons, ben écoutez, on va se laisser là. J'espère que ce spécial Noël, deuxième partie, vous aura plu, ainsi que la première partie. Et ben, on va se laisser là. Et ouais, déjà. Bon, vous en faites pas, il y aura plein d'autres vidéos. C'est pas fini, hein. Même si l'année va bientôt terminer, il y aura encore plein de vidéos. J'ai pas fini, hein. Je suis pas prêt de vous laisser là, hein. Mais non, non, non. Non. C'est comme Didi Chandoudouille. Il a peut-être arrêté sa théorie, mais comme il a dit, l'aventure ne fait que commencer. Moi, c'est pareil. Moi, l'aventure, elle va continuer encore jusqu'à la fin du monde. Ouais, je connais la date. Alors, moi, je suis un démon. On connaît tous la date. C'est pas encore, vous en faites pas. Que bon, d'ici là, il y aura peut-être plus d'internet. Ouais. Ah, ouais. Enfin, bref. Sur ce, les petits démons, regardez sous votre lit, dans votre placard, sous votre cheminée, si vous en avez une, et votre sapin, et aussi dans les recoins sombres de votre maison, car on ne sait pas ce qui peut s'y cacher. Et je vous souhaite de bonnes nuits de terreur. Mais surtout une très bonne nuit, sinon le Père Noël, il va pas passer. Non, Alain Nicolas, il m'a dit que plein d'enfants cette année, ils auront pas de cadeaux. Ah non, 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 pas ce que vous avez foutu, mes petits démons, mais là, ça va plus, ça. Faut être sage, hein. Sinon, moi non plus, j'arrêterai. Si vous n'êtes pas sage, je fais plus de vidéos. Non, non, t'as mes clés sur la porte, hop, je me passe. Voilà, je te dis, je pars à Guantanamo Fissa. Et envoyé à Guantanamo Fissa. Je vais en Himalaya. Ouais, c'est bien ça. Allez, on se laisse là. Ciao. On va aller se mater maintenant Gremlins. Allez, on y va. I'm gonna go get some more.